Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Flo Hazard pour un petit adaptateur découverte de Noël car on va découvrir aujourd'hui la version NES de Batman Returns. Et oui, c'est pas la version dont on parle le plus. On retient surtout la version Super Nintendo de Konami également, un beat'em up survitaminé où on incarne Batman face aux légions du pingouin. Mais on retient pas souvent la version NES qui est sortie du coup en 93, un petit peu tardivement. Et je suis pas convaincu, vous pouvez me corriger, qu'elle soit sortie en Europe. Je crois que j'ai déjà vu des cartouches en loose traîner, mais ça a dû vraiment pas être beaucoup distribué, en tout cas chez nous, vu sa sortie tardive et vu un support qui était un peu moins, du coup, comment dire, consommé que la Super Nintendo ou encore la Mega Drive qui était déjà bien installée sur le marché. Donc le jeu commence avec une introduction qui nous rappelle les premières lignes du film Batman Returns. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce jeu aujourd'hui, alors que nous sommes le 23 décembre? Parce que j'aime bien un petit peu chaque année vous faire le jeu tiré d'un film de Noël. Et les 2 années précédentes, je vous avais fait le coup avec Die Hard, Piège de Cristal. Je vais pas le refaire cette année. Aujourd'hui, on va parler de ce jeu, on va un peu parler de ce film. Donc c'est une vidéo découverte parce que je n'ai jamais joué au jeu. Je l'ai vu tourner, je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps et je me suis dit, on va faire un petit format un petit peu détente, manette en main, parce qu'en plus je suis, ça s'entend peut-être un petit peu, je suis un petit peu malade. Donc on va faire ça en mode détente, mais notez-le que je vous prépare un petit live. Je voulais le faire ce soir, alors qu'on est le 23, mais en fait j'ai pas trouvé ça pertinent, puis comme je suis encore un peu malade, j'ai peur de le subir. Mais peut-être le 25, peut-être juste après Noël, pour être encore dans la période de Noël, un petit live spécial sur les jeux Batman Returns, justement, on va jouer à tous les jeux, on va pas les finir, mais on va jouer à tous les jeux. Mais aujourd'hui, voilà, on découvre cette version. En tout cas, je serai un peu armé pour jouer à cette version quand on fera le live. Et on voit qu'on nous résume le film. Donc, Max Schrecks, un grand mania avec une énorme société qui a la main mise sur la ville, au même titre que Bruce Wayne, qui essaie d'avoir de l'influence et de devenir maire ou de devenir assistant maire et avoir le pouvoir. Et voilà que les membres du cirque, alors c'est le cirque du triangle rouge, voilà un cirque déchu dans lequel a été le pingouin quand il était petit, car il était un frix, un animal, un homme animal, vont attaquer Gotham Plaza et attaquer tous les gens pour foutre le bordel, quoi. Un petit peu, c'est un peu l'introduction, la deuxième introduction du film, parce que le film compte une première introduction vraiment très belle. Ou qui nous raconte les origines du pingouin, vraiment une scène, une longue séquence sans dialogue, juste musicale, où on voit quand il vient au monde, la réaction horrifiée de ses parents, le fait qu'il bouffe un chat, et qu'il est abandonné dans les égouts de Gotham, et qu'il va être recueilli au début par des pingouins, puis plus tard dans le film on comprendra, par des membres d'un cirque itinérant où il était réduit à l'état de bête humaine, quoi. Donc Batman Returns, c'est un film que j'adore forcément. Alors j'ai un plus gros affect pour le premier Batman, vu que c'est celui de mon enfance, mais le Returns, force est de constater que c'est un excellent film, c'est une masterclass de Tim Burton. On est vraiment dans son univers et dans cette espèce de Noël macabre en fait. Et c'est un film unique qui est un peu plus un film de Tim Burton qu'un film Batman. Mais bon, on n'est pas en train de faire un gros adaptateur, donc je vais pas rentrer dans les détails. Je vais mettre mon casque quand même pour profiter de la musique du jeu. Hop. Je vais vous monter un peu le son, je pense. La musique est très très bonne. On reconnaît la patte des compositeurs de Konami sur NES, ça nous rappelle un peu les Tortues Ninja. Et donc on a Batman, on peut sauter, on peut taper, on peut bloquer, c'est assez innovant dans un beat'em up. On peut faire une attaque de zone qui va envoyer balader tout le monde, mais ça consomme des PV. Et on peut faire une glissade. On peut quand même admirer une move list assez étoffée à partir de seulement 2 boutons sur la manette, donc ça fait plaisir. Et on y va tout doucement. Hop, je rapproche un petit peu le micro. Hop. Et là, c'est excellent parce que les ennemis, ils sont éjectés de l'écran, ça donne un certain dynamisme que j'aime beaucoup. Et donc là, on récupère déjà un cœur parce que notre vie n'était pas à fond étonnamment au début du niveau. Alors, les ennemis sont assez agressifs. Le jeu est assez punchy quand même, hein. Hop. Donc concentrer un petit peu parce qu'on a vite fait de prendre des coups quand même. Mais ça va. Là, on voit que cet ennemi-là est armé. Et si j'appuie sur Select, je peux m'équiper de Batarang, que je peux tirer avec O et B. Ou du grappin, mais pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi il sert. Voilà, j'ai pris un vrai méchant coup de pied. Hop.
On peut faire ça sur les gros ennemis. Faire une glissade pour aller apporter. Et hop, on tabasse. La musique est vraiment excellente. Hein. Donc pour rappel, le jeu sort en 1993, donc on est quand même sur la fin de vie de la NES. La NES est vraiment maîtrisée. Là, on voit que le pixel art est quand même vraiment super bien foutu. Et on reconnaît bien les ennemis de Batman qui sont les membres du cercle du triangle rouge, donc les sbires du pingouin hein, qui lui permettent d'avoir une force criminelle. Bon, il y a quelques clignotements, mais bon, rien d'anormal sur Nintendo NES. Le seul truc que je déplore un petit peu là, c'est que le décor est grand, mais il est assez vide finalement. Et puis cette palette de couleurs vertes au sol, c'est un petit peu maussade, mais on voit qu'il y a un peu de neige dans le caniveau, donc le souci du détail est là, mais c'est un petit peu vide. Après, on est sur NES, c'est sûr que les beat'em up ont vraiment trouvé vraiment leur âge d'or sur déjà les bandes d'arcade, et puis après sur 16 bits avec des décors et des sprites plus fournis. Là, on peut quand même constater que les sprites, et surtout le sprite de Batman, sont vraiment impressionnants. J'aime beaucoup la gueule qu'il a, le sprite de Batman. Il fait un peu plus musclé que Michael Keaton, mais ça fait le taf. Alors les collisions des fois, ça laisse un petit peu à désirer, mais on s'en sort quand même. Ah là c'est marrant, bah, à part le fait que je me prends un biker dans la tête. Tiens, un batarang, t'as pas volé. On est sur de la glace, donc du coup on glisse. Tu peux pas m'agripper au-dessus là? Non? Ok. Ah il change de couleur, donc il va être un petit peu plus dur. Ah, je viens de remarquer qu'on voit leur HP en bas. Ok. Il est pas mort? Ah non, c'est un autre. Hop. Et voilà. Hop, un petit cœur dans les gros cadeaux. Stage 1-2. Et on dirait qu'on a affaire à un boss. Alors, j'abuse de mes projectiles. Ah la vache. Ah, je ne peux pas sortir. On va essayer de se protéger. Ouais, ça marche pas à tous les coups, hein. Oula, il est dangereux ce boss. Ouh. Les battus mais de justesse, hein. Et on récupère une boîte, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai malheureusement pas lu le manuel du jeu. Département de Shrex. Sûrement le département commercial. On va voir jusqu'où on va. Hein. Je sais même pas s'il y a un compteur de vie ou quoi. Quand j'ai pas récupéré d'item. Non, ok. Des nouveaux ennemis. Qui sont agressifs. Oula, oula, oula. Oula, 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 le jeu il en peut plus. Autre musique, hein, aussi excellente que la première. Ils sont gentils, ils se laissent taper. Hop. Au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas trop le syndrome des ennemis qui sortent de l'écran et attendent hors screen pendant 15 ans. Ils reviennent plutôt rapidement. Et si on veut, voilà, on peut un peu les ramener. Ça, c'est plutôt agréable. Ça casse pas le rythme du jeu. Oh, le cracheur de flammes, comme dans le film. Donc, je suis un peu concentré, hein. Je vous fais pas tous les rapprochements avec le film, mais bien sûr, tout le bestiaire, si on peut dire tous les sbires qu'on en affronte, ce sont des personnages qu'on voit dans le film. Hein. Et lui, il me fait mal. Hein. Ok, voilà. Un fouet. C'est chaud pour Batman là. Ah, j'étais passé sous une flamme, mais pas la deuxième. J'ai 2 PV. Ah, il y avait un petit cœur caché dans la bande d'incendie. Oh là là, c'est pas bon. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'ennemis à l'écran, il y en a grand maximum 2 voire 3.
Mais ils ont quand même des patterns assez complexes, en fait, très dangereux, qui font que même s'ils sont pas en nombre, ils sont très 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 dangereux. Faut vraiment essayer de les isoler. Ok. Ah, j'ai fait une glissade, ça ne marche pas sur les motos, bah oui. Et bim! C'était mieux avec un batarang quand même. Touloutou. Ah, le retour du cracheur de flammes. Ah, j'ai épuisé ma box et ça m'a remis une vie. Enfin, ça m'a redonné de ma vie. Alors, ok, d'accord, la box, c'est un réservoir de vie. Un peu comme Samus. Oh. Ah, ils sont costauds. Hein. Ah, je le touche pas. Ouais, c'est petit souci de collision qui me frustre un peu. Aïe aïe aïe. Celle-là, je l'ai bien prise. Y a pas de souci de collision sur celle-là, je l'ai bien prise dans ma bouche. Ah, je n'arrive plus à l'atteindre. Maxi cafouillage sur cet ennemi. Hein. J'ai pas facile. Hein. Ah, on rencontre Catwoman. Le pixel art est de qualité hein, quand même. Ça fait vraiment plaisir. On reconnaît bien Catwoman là avec son fouet enroulé autour de sa taille. Et elle veut détruire le bâtiment. Scène culte du film où elle fera miaou. Il y a tout qui explose. Et le stage de 2, à chaque fois le deuxième stage c'est un boss, c'est ça? Non, c'est un vrai niveau. Donc là, on est rentré dans le magasin. Hop. Belle esquive. Encore un motard, hop, 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 et voilà, ça passe très bien. Alors c'est un peu moins varié hein, que la version Super NES, parce que Batman Returns sur Super Nintendo varie entre des niveaux de baston comme ça, où il y en a deux en même temps, ouais, je sais, galère. Entre des niveaux en baston comme ça et des niveaux sur un seul plan où on tire des batarangs. Ah, oh, ça va être chaud là. Ah, c'est la fin pour Batman. Et le jeu nous gratifie d'un game over. Donc on a un password qui nous permet de reprendre au niveau là où on en était. Et si on fait continue, on recommence au niveau de 2. Mais je pense qu'on va s'en arrêter là pour cette découverte. On a déjà vu le plein potentiel du jeu, ça a l'air vraiment cool. On va passer à une petite conclusion. Alors que retenir de cette découverte, hein, bien sûr on n'a pas exploité le jeu, on l'a pas exploré entièrement, mais que retenir de cette découverte de Batman Returns sur NES, et ben un jeu qui ma foi est peut-être le moins connu des Batman, en tout cas moi je ne le connaissais pas vraiment avant de le tester là, de Batman Returns, parce qu'on connaît la version Mega Drive qui est pas terrible, même médiocre, on connaît la version Mega CD qui va voir apporter à cette version Mega Drive des niveaux Batmobile vraiment géniaux et qui vont contraster avec le jeu qui est pas terrible. On connaît tous la version culte sur Super Nintendo, qui alterne entre beat'em up standard et beat'em up sur un plan où on tire des batarangs, et très 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 bien réalisé, qui nous replonge vraiment dans l'univers et les musiques du film. Mais cette version, voilà, cette version qui sonne vraiment Nintendo NES, on l'entend dans les musiques, bah, c'est pas une des versions qui revient le plus souvent. Et voilà, je voulais faire cette découverte à l'occasion de Noël, peut-être en teasing par rapport au live Batman qui aura lieu bientôt. Et j'espère que ça vous aura plu, c'est un jeu que je vais creuser, et puis peut-être qu'en 2023, verront apparaître des adaptateurs plus complets, plus fournis sur les adaptations de Batman Returns. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à partager la vidéo si ça vous fait plaisir. Et j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bon jeu !